Nous vivons dans un monde sujet à de constants changements. Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, il y a des changements. Ces changements peuvent paraître invisibles, et ce parce que notre conscience est limitée. Tenez par exemple, comment les choses que nous disons et que nous faisons, toutes ces choses affectent nos vies et influencent nos destinées. En fait, il semble probable qu'un ordre fantastique régisse tout cela. Nous ne savons jamais quand ou comment nous rencontrerons une personne qui deviendra un catholique ou qui nous conduira vers l'un d'eux. Qu'est-ce qu'un catholique? Eh bien, dans ce cas, un catholique est une personne qui amènera des changements qui peuvent être bons ou mauvais. Mais il y en aura, c'est sûr. Vous pouvez en rencontrer n'importe où dans votre vie de tous les jours. Dans un supermarché, drugstore, n'importe où. Même en roulant sur l'autoroute. Une belle fille avec un problème. Qui résisterait? Certainement pas Richard.
Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Sortir. Ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Thank you.
partout. Tu as eu de ses nouvelles? Il est ici. Il est là? Oui, là. Vous n'allez pas me croire. C'est fou. C'est comme dans Star Trek ou dans Le Retour des Gullies. Jim, il est là, mais il est parmi les Gullies. T'as sniffé de l'opium ou quelque chose récemment? Je pense que tu ferais un fameux Gullies.